truc et du jeton, on veut te faire jouer les yeux bandés. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxime Moulin et on se retrouve avec Bonjour toi. Ça fait beaucoup d'armes à énergie, ça me rappelle de bons souvenirs. Les disciples utilisent beaucoup d'armes à énergie? Des armes à énergie, bien sûr que non. Enfin, nous étudions toutes sortes de domaines techniques. Alors, on en a une bonne connaissance, oui. Oui, parce que bonjour, aujourd'hui, j'ai décidé de me séparer un peu de Cassidy, je la reprendrai, vous en faites pas, pour aller faire les quêtes de compagnons de deux autres personnages que j'ai un peu négligés. Bon, j'ai négligé aussi Roll, hein, mais Roll, on s'en fout. Lily, c'est pas trop intéressant, j'ai vu son truc. Par contre, Arcade Ganon et Boone, normalement, de ce que j'ai vu, ça a l'air intéressant. À Ganon, j'ai vu, a priori, j'ai vu de quelle organisation ils faisaient partie, et c'est vrai qu'on n'a pas trop vu leur point de vue dans ce jeu-là. Mais ça risque d'être rigolo à voir, et Boone, ça va être aussi intéressant, donc je vais essayer de les faire, si possible. Donc d'abord, je fais Arcade Ganon. Arcade Ganon, non, ça devrait être assez simple à faire, si... si tout se passe comme j'ai dit, et ensuite je ferai avec Boone. Voilà, voilà. Je me suis renseigné sur Epcon. Ils ont travaillé avec le gouvernement d'avant-guerre sur ouais. L'arme à énergie. Bon, je pense que vous avez pigé, hein. Le mec il bossait pour l'enclave. A priori, normalement, si j'avais bien vu ou une connerie comme ça. Parce que c'est vrai que l'enclave, on n'a pas trop eu leur point de vue, hein. Dans cet opus-là. Ah, nos chers amis qui sont un peu niqués depuis Fallout 3, déjà qu'ils s'étaient pris une bonne branlée dans le 2, mais alors le 3 n'a pas aidé. C'est vrai, dans l'Est, comme dans l'Ouest. Ouais, parce que là on a eu la confrérie de l'acier, la RNC et tout, c'est rigolo. Quel genre de prototype? Fusil à plasma, conçu pour remplacer le lance-plasma P-94. Il y a eu de l'espionnage industriel entre le projet Semel de Poséidon Énergie et ce qu'il faisait ici. Comment se fait-il que ça sèche autant ce jeu? Ne réfléchissez pas tant. Merci. Un jour j'ai testé mon charisme sur un testeur d'énergie vitomatique. Une ferme d'élevage, oh. Avec des jeunes cornes faméliques. J'ai aussi trouvé une ferme pillée ici. Voilà, je vais me rendre là où il y avait la ville, si vous vous rappelez. Ah bah non, vous vous rappelez pas, parce que la vidéo a été perdue. Normalement, la ville où j'avais visité cette ville, où j'avais fait des quêtes et tout. Ouais, j'avais fait une quête, notamment pour trouver un Rangers qui s'était perdu et qui s'était transformé en ghoul à cause des radiations et tout. C'était un autre de la RNC qui m'avait envoyé. J'avais trouvé un camp des Légions de César aussi, là-bas, qui s'était planqué. C'est la joie, mais c'est pas pour ça que je viens. Et ça, là-bas, normalement, c'est l'aéroport. On va en profiter pour faire ça. Je sais pas combien il y aura de vidéos bonus tout à l'heure. Mais mon but, ça va être de chercher autre chose là actuellement. Wow! Putain, hey, Lucky Luke, on se calme, hein! Bordel. Mon but, c'est de trouver un autre truc. Allez, on arrive dans un coin un peu plus irradié là, on est proche de la ville, ça se voit. Hein. Bonjour, monsieur! Pff, s'en bat les couilles, je vais le laisser à mes potes. Bon, c'est quand que ça nous marque la zone. Ouais. Ouais, parce que quand t'es proche de la ville, ça marque ça. Ah, l'aéroport de Searchlight. C'est le nom du bled. Bon, maintenant, il va falloir que je contourne vers là-bas parce qu'il y a quelque chose d'intéressant vers là-bas, en fait. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, bonjour. Un vertiptère écrasé. Les vertiptères, si vous vous rappelez, c'était les hélicos, on va dire, de l'enclave dans Fallout 3. Voilà, ils étaient pas dans le 1 et le 2, normalement, de souvenir, ça me dit rien. Et ensuite, donc, après le 3, la RNC en a repris de leur côté aussi, parce que faut pas oublier que la RNC, avec la confrérie, ont été en guerre, on l'a confrérie, et ça on l'a vu aussi dans le 3, mais la RNC aussi a été en guerre contre l'enclave et ils en ont repris et maintenant ils en ont. Mais voilà, ça par contre c'est dans le cadre. Vertiptère, intéressant. Je n'en avais pas vu depuis bien longtemps. Quand? Bonne question. Sûrement dans un livre. Ouais, fait genre wouh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, avec les squelettes et tout. Ah, mais je crois que j'ai bien fait de venir, hein. Je crois que j'ai une mine d'or.
Alors là, sur moi, actuellement, d'ailleurs, j'ai actuellement un fusil que je trouve assez sympa, la carabine Lapis, mais je me rappelais plus en avoir, parce que c'est plus puissant que le 44 Magnum en soi, et ça utilise les mêmes munitions, donc je préfère l'avoir. Par contre, l'autre truc, il est où? J'ai le lanceur aussi à plasma que j'ai récupéré sur Jean-Baptiste, voilà l'autre truc. Par contre ça, ça a l'air sympa ça. Et ça utilise les mêmes munitions que l'autre truc, ok. Effet, ah putain ça enlève de... C'est quoi ce truc de merde? Par contre à revendre ça peut être sympa à la limite. J'essaierai quand même de le tester. Même si ça m'enlève de la vie, j'essaierai de le tester, ça peut être assez rigolo. Ça, j'y retournerai pour aller ici, mais j'y retournerai avec Boone ici, parce que ça, c'est utile pour... parce que, pour que ça soit pour Arcade Ganon ou Boone, il faut que je fasse des actions, on va dire, qui rajoutent un point à chaque fois, on imagine le truc, ou deux, si tu te débrouilles bien. Et il en faut 5 pour débloquer leur quête de personnage. Là, j'en suis à 3, vu que j'ai débloqué 3 commentaires chez lui, et normalement, je vais aller faire un truc qui va en débloquer 2 autres. Hildern est le parfait exemple d'un esprit visionnaire qui dégénère. Ouais. Il était tellement obsédé par les résultats à grande échelle qu'il en a oublié le concept de bien commun en cours de route. Le service public perd son humanité lorsque les gens et leurs ressources de base deviennent des chiffres dans un registre. Ouais, c'est une bonne chose qu'il existe encore des gens comme vous. C'est gentil, mais il y a des gens bien plus vertueux que moi ici. J'espère juste que les disciples pourront faire la différence avec le temps. Ouais, j'espère aussi. Hein, que t'es con ? Oui. Oui, il vous fallait autre chose, une maman dans ta gueule. Ouais, c'est ça, au revoir. Attends, putain! Attends! C'est quoi cette arme? Vas-y. Putain, attends, je sais pas viser. Oh putain, oui, parce que j'ai le lanceur là à plasma, je l'ai réparé. C'est le lanceur de Baptiste. Oh, mais c'est que ça a l'air bien si j'arrive à toucher en fait, hein. Meurs! Putain, mais meurs! Par contre, butez pas la madame, hein. Mais reviens, fils de pute! Mais reviens, connard! Mais je vais le baiser! Il va pas se barrer ce légionnaire, attends. Je cours. Putain, il m'a semé le fils de pute. Voilà! Voilà, à un moment donné, on arrête les conneries. Ouais, et ça va, mais je pense que je vais surtout aller le revendre. Ouais, j'ai dépensé masse de fric, j'ai vendu plein d'armes, mais je vais aller le revendre. Hein. Moi, je suis grave ça. Hein. Ah, l'humour. Oh, regardez, ouais, une petite masse radioactive. Enfin, plasmate. Fric de l'autre. Bonjour, merci, c'est bien, donne-moi tout ce que t'as. Voilà. Ah, comme je l'ai niqué. Ah, il a une queue de croc carrément, le mec. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, il faut rediriger l'énergie vers Freeside et la banlieue de Vegas. Ouais, pas toute la région, mais... Des troupes de la RNC contrôlent le barrage. Pourquoi aurait-il besoin de plus d'énergie? Alors, non, si César... prend le barrage... alors, attends, je vais voir ce que ça fait niveau pour sa quête. Alors, on est... ok, pourquoi pas la SRC, puis un contrôle... son agence, ouais, ça rapporte un point. Vous marquez un point. Je ne peux pas dire que je soutienne vraiment la RNC dans cette histoire, mais si on peut éviter une panique générale... Alors là, j'arrive vers Nelson et je vais devoir reprendre l'endroit avec le Ranger Milo. On approche de Nelson. À partir de maintenant, j'abats tous les légionnaires que je verrai. J'espère que c'est pas un problème. C'est pas comme ça que je peux... je suis pas prêt. Non, c'est une solution. C'est vrai. Vous et moi, on est là que pour résoudre les problèmes. Ouais, je lui ai remis la tenue de bras. Et donc là, il va falloir aller. Donc, je me rappelle pas l'avoir fait cette quête de retour chez vous, tuer les otages. Ouais, il va falloir s'infiltrer dans le camp, dans Nelson, qui avait été repris par les légionnaires à la RNC. Pour que la RNC l'ait à nouveau.
Et donc la jet, le Ranger Milo, ouais, je crois que j'avais buté parce qu'il était hostile à moi. Et donc, ouais, je vous ai pas montré, mais globalement, il m'a dit qu'il faut tuer les otages de la RNC parce que tant qu'ils sont là, il y a trois otages, voilà, les soldats n'osent pas attaquer et tout, donc faut les tuer, c'est un peu dur et tout. Et que je serais assez con d'essayer de les sauver. Et là, Boone, il est en train de dire qu'il faut aller les sortir de là. Eh ben, je vais suivre Boone sur le coup parce que... Ouais, je trouve ça une mine. Ouais, parce que pour moi, il faut les sauver. Donc j'espère qu'on va réussir à les sauver, les otages. Hein. Franchement, je serais déçu sinon. Voilà. Mais mon but, ouais, ça va des trucs parce que je suis un warrior. Bonjour. Voilà. Sinon, là, je suis en train de tout faire, on va dire, pour que déclencher la quête de Boone. Après, ouais, je ferai d'abord celle de Boone avant celle d'Arcade Ganon, parce qu'Arcade Ganon, faut arriver vers la fin du jeu, on va dire, pour qu'elle puisse déclencher, même une fois que t'as les 5 points et tout. Je vais essayer de rentrer. On va essayer de les libérer. Bonjour les chiens. Bonjour Molos. Ça va Momos? Heureusement que la peau ça prend pas de poids. C'est bon, il y a personne? C'est bon. Ok, merci. Bon, bah moi je vais essayer de les sauver. Parce que je suis très malin et j'ai un Boone qui me protège, donc on va... C'est bon? Je vais détacher. Salut. Je vais détacher. Je vais détacher. C'était qu'un dernier recours. Je suis content que vous ayez réalisé qu'il y avait autre chose à faire. Ouais, merci. Les soldats sont tous en fuite. Ça apprendra à tout le monde ce qu'on fait à nos ennemis. Le chef des Tox aurait pas dû prendre notre belle armée à la légère. Ouais, ouais. Bah, Boone, tu veux qu'on parle? Le coup de grâce, c'est une chose dont les snipers de la RNC ont l'habitude. La Légion aime torturer ses prisonniers, là où on peut les voir. On nous demandait d'y mettre fin. Je l'ai fait un certain nombre de fois. Même si je suis persuadé qu'on aurait pu en sauver quelques-uns. Ce n'est peut-être pas la Légion qui les a tués. Ils sont peut-être morts à cause des ordres que vous avez reçus et appliqués. Qu'est-ce qui s'est passé là? On a gagné. T'es osé. Écoutez... On a un peu voyagé ensemble, mais on n'est pas frères d'armes. Je n'ai pas envie d'échanger des histoires de guerre. Ouais, oui. J'ai vu ma femme. Peut-être une autre fois. D'accord, ça marche, Bernard. Ouais. Bon, on va aller retourner par l'autre. Ouais, ouais, c'est bon, Michel. Hein. En tout cas, je suis content, j'ai réussi à les sauver. Logiquement, ça va avoir apporté plein de points, ça. Voilà. Ouais, normalement, je devrais réussir à faire bientôt la quête de Boone. Bonjour. On va voir le Ranger Milo. T'es où, Milo? Il est là-haut, Milo. On va aller le voir. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas fait, ça. Hein. Parce que j'étais contraint de le buter, ce con. Je crois que j'avais quand même sauvé les soldats. Je sais plus. Je crois que j'ai sauvé... Bonjour, Milo. Carmine, c'est mon flingot. Et moi, on vous couvrira de tous ces traits de bonne chance. Mais j'ai terminé la quête. Allô? Eh? Salut, comment ça va? Ça va bien. J'ai récupéré quelques otages. Je dois dire que je m'attendais pas à ce que vous réussissiez. Du coup, à vous la gloire et à moi l'ombre. Je ne suis pas officiellement autorisé à vous payer, mais voilà quand même quelque chose. Et je dirai à tout le monde ce que vous avez fait. Merci. Ouais, c'est cool. Et en fait... Salut, comment ça va? Oh, ça va, j'ai même violé des chats. Vous avez le temps de répondre à quelqu'un? Qu'est-ce qu'on a en tête? Suzette. Des soldats sont venus de Forlorn Hope parce qu'il... Ah, il va falloir que j'y retourne à ce camp. Hein. ...entre Forlorn et Searchlight à cause du manque d'effectifs. On a pris notre temps pour nous installer à Nelson. Mais la Légion a franchi le Colorado et a attaqué pendant qu'on refaisait la déco. Ils viennent de South Park. Il y a Novak, pile à l'ouest. Cherchez le gros lézard.
Il y a de quoi bouffer et se loger là-bas. Le comptoir 188 sur la... C'est là où il y a Véronica. Pas grand-chose au sud sur la 95, sauf si on prend la 164 vers l'ouest pour rejoindre Nipton, près de la voie ferrée. Oui, comment ? Non, je suis le seul ranger ici. Les autres sont des soldats inexpérimentés, mal équipés et en infériorité numérique. Hé, attendez. Si vous allez dans ce camp, ce sera de deux choses l'une. Soit une machette de la Légion enverra votre tête dans le Colorado, soit ils essaieront de faire copain avec vous. Et si je découvre que vous flirtez avec la Légion, je vous colle une balle dans la tête dès que vous repasserez cette crête. C'est clair ? Ouais, ferme ta gueule ! Toute ma gratitude. Ouais. Ça c'est chiant. J'ai pas pu faire entre les deux en mode... Alors tu me parles sur un autre ton, hein ? Voilà, en mode Alain Soral. Quoi ? Quoi ? Tu me parles sur un autre ton, Boud ! Non, en fait, le truc que je reproche, là, c'est que t'as direct les deux extrémités. Soit tu fais en mode soumis, en mode « Compris, compris !» Soit tu fais en mode « Je vais te buter, connard !» On peut vraiment pas faire entre les deux, c'est dommage, hein. Sur le coup, hein, je trouve, un peu. Vous êtes le courrier dont j'ai entendu parler. Mon groupe a besoin de votre... Bonjour, aide. Bonjour, ouais. Qu'est-ce que c'est ça ? Mon groupe est tombé dans une embuscade de la Légion. C'est ce pourri de Lexus qui... Oh, c'est tombé. Cool ! Il nous emmenait à la mine qui est là-bas, et j'ai réussi à me tirer. J'ai besoin d'aide pour sortir les autres de là. D'accord. Ouais, c'est cool. Ouais, on va pouvoir en buter un, ouais. Vous êtes sûr qu'ils sont toujours... Oh, rien n'est moins sûr. D'un autre côté, si la Légion avait seulement voulu nous tuer, nos têtes seraient déjà sur des pics. Je comprends. Voilà tout ce que j'ai sur moi. Maintenant, allez-y avant qu'il soit trop tard. Ok, j'y vais, Michel. Partout où j'erre, y a les fougères, ok, on va y aller. Putain, qu'est-ce qu'on a de la RNC ? Bonjour Alexus, ah bah au revoir Alexus. Alexus, il suce. Ah, je ne suis pas drôle. Racine. Wow, qui c'est qui... Bonjour, hey. On me plante pas comme ça, déjà on me dit bonjour, hein. Elle commence par me parler. Autre. Vas-y, c'est Soral qui vous présente les vidéos. Alors. Bonjour, je viens vous sauver. Me casse d'ici. Ouais, de rien. Et même pas un merci. Bordel de merde. Ah, la générosité, c'est plus que c'était des gens, hein. Je me cagne. Bonjour. Oh putain, et crève, connard. Alors. C'est quoi cette arme? Ouais, elle est chelou cette arme, attends. Ouais, je veux la tester un peu pour l'occasion, mais comme j'ai dit, c'est chelou. Putain, ils ont plein de trucs là. Arrêtez les gars. Mon heure doit être venue. Non ! Ton heure n'est pas venue, Moon ! Ouais, bon, même si la Légion est quand même forte. Mon armure est dangereusement endommagée, j'en ai rien à foutre. Je buvrai du whisky s'il le faut. Bon. Bon putain, j'en ai marre aussi de ça. Cette arme qui vise de... Ah putain, c'est quoi cette arme de visée de merde? Putain de bordel de couilles. J'en ai marre de cette arme de visée. J'ai tout jeté en plus. Bon. Je sais quoi. Voilà. Attends. On va se marrer. Je vais en jeter une là-bas. Eh, crève, connard! Oh putain, réparation! Réparation. Vous commencez à me faire chier aussi, hein? Putain, mais il en reste combien? Ah, mais ils me font mal, ces cons! Hein? Putain, l'autre il se plaignait de Nelson, mais cet endroit est bien pire que Nelson en fait! Tiens, crève, connard! Ouais, ma tronçonnée est sur le point de péter, mais je m'en fous parce que j'ai... Je suis obligé, hein. Je suis obligé d'y aller au cake, hein. On n'est pas loin d'un camp d'esclaves de la Légion. Je suis déjà venu. Que les choses soient claires. Si je vois du pourpre, je tire. Si ça vous on plaît les pas, a déjà pas tous éliminés de votre côté. Tant que ça vous gêne pas que je m'amuse aussi. Je ne crois pas que je vous en voudrais.
C'est tout, je les ai pas tous éliminés, non? Ah putain, ils m'ont fait chier, hein. Y'a pas à dire, hein. T'es sur mon Twitter Sprint, qu'est-ce qui s'est passé, Boone? Il y a eu un problème de transmission. Ça ressemble. Ouais, j'imagine que c'est le mot approprié. On a fait ce qu'on devait faire. Des tas de gens sont morts. C'est la guerre. Peut-être qu'a posteriori, on ferait les choses différemment. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Au combat, si vous hésitez, vous ou quelqu'un à qui vous tenez en meurt. C'est ce qu'on nous enseigne dès le premier jour. On ne finit pas un déploiement sans remords. Le mieux, c'est de ne pas y penser. On sait souvent? Ouais, tout le temps. Même quand je dors. Je ne crois pas. Ça ne changera rien. Et c'est le genre de souvenir que je ne veux pas raviver. Oh, c'est dommage. Je crois qu'il est temps que vous disiez... Parlez-moi de vous. Si vous voulez, c'est pas vraiment mon truc. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Quel numéro de la valise RTL? Vous n'avez jamais se barré? Non. Ok, il y a une autre question. Donnez-moi mon... J'ai rencontré Carla sur le strip pendant une permission. Elle a dit que j'avais l'air perdu. Elle parlait beaucoup. Moi, ça m'allait. Je sais jamais quoi dire. Et en l'écoutant, j'avais l'impression d'oublier. Partout, on la remarquait. Comme si elle était d'une autre époque. Une époque meilleure. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme elle. Oh, c'est beau. Je ne vois pas à quoi ça servirait. Elle est morte. Que je... Mieux on se comprendra, mieux. Allez! Très bien. Ouais. Elle... Je l'ai suivie. Au sud-est, près du fleuve. Ils étaient en train de la vendre. Je l'ai vue dans ma lunette. L'endroit grouillé de légionnaires. Des centaines. À enchérir pour le genre de vente qui ne devrait pas exister. Je n'avais que mon fusil avec moi. J'étais seul face à eux. Alors, j'ai tiré. Pu essayer de la sauver, elle m'aurait dit. C'est... Vous n'avez pas le droit de prendre. Ouais, il valait mieux mourir parce qu'elle était esclave de. Ouais, je vais être prêt. Ouais. Ce qu'ils font aux femmes, c'est pire que la mort. Je n'ai pas eu le choix. C'était comme si j'étais obligé de regarder quelque chose que je ne pouvais pas empêcher. Il n'y avait qu'une fin possible. Je le pense toujours. Je n'ai rien d'autre à dire. J'attends seulement que ça se termine. Elle est morte. De toute manière, il y aurait eu quelque chose. Si je n'avais pas rencontré Carla, ça aurait été autre chose. Je n'aurais jamais dû l'aborder. Mon avenir n'a rien de radieux. Vous feriez bien de vous tenir à distance, vous aussi. Qu'est-ce qui vous fait dire? Parce que la justice, c'est la justice. Vous voulez pas me... Non. Désolé. Vous pensez que... La vie trouve toujours une manière de vous faire payer vos erreurs. Si c'est une grosse erreur, le châtiment peut durer un moment. Le mien n'est pas terminé. La vie ne marche pas comme ça, vos malins sont... Vous pouvez toujours attraper... Un meurtrier qui accomplit de bonnes actions reste un meurtrier. Et il sera quand même jugé. J'ai quitté la RNC à la fin de mon déploiement. J'en avais assez de la guerre. J'ai décidé de prendre un nouveau départ. En fin de compte, ça n'a pas fait grande différence. C'est vous que vous n'êtes pas au bout de votre chemin. Parce que je suis toujours en vie. Intéressant. Ouais. Eh, j'ai réfléchi à ce que vous avez dit. Vous avez peut-être raison. Je devrais peut-être aller à Bitter Springs. Je ne sais pas ce que j'espère trouver là-bas. Ouais, on va aller à Bitter Springs. Et comme ça, je vais pouvoir en profiter pour faire ce que j'avais pas pu faire, si vous vous rappelez. Dans mon let's play, je devais envoyer des renforts, mais j'ai presque rien pu envoyer, comme la plupart me faisaient la gueule. Là, je vais pouvoir, comme ça, déclencher les quêtes, envoyer plein de renforts à l'autre dame, que j'aimais bien là-bas. C'est des trucs. Le mec, ouais, tu sais, mais c'est toi qui m'as doulé. Vous allez y aller, débrouillez-vous tout seul. Alors que c'est vous qui... Qu'est-ce que vous avez fait changer? Rien, un rêve. J'en avais assez d'y penser. D'accord, on fera un saut là-bas. J'espère que ce n'est pas une erreur. Mais non!
Ouais. Ah bah finalement, il n'y a pas fallu 5 points, ça va. Je... Parce que là, j'étais en train d'aller vers le Cancer Slide où normalement il y a des trucs aussi pour Boom, bah, c'est cool. Alors, Bitter Spring. Ah oui, c'est vrai que c'est là. Ouais, on ira faire un tour. Du côté de chez Swan. Ah, on y arrive, Bitter Springs. T'es content d'y revenir? En plus, j'ai débloqué un truc comme par hasard à ce moment-là. Je suis trop bon. Et je passe de niveau en plus. Ouais, carrément. C'est là. On nous a envoyé du camp Golf à la recherche de Khan qui avait attaqué une de nos colonies. Un des colons devait avoir des relations parce qu'on a envoyé du monde. On pensait que c'était une planque, mais ils nous ont amenés chez eux. Il y a une crête appelée Coyote Tail du côté sud. C'est là qu'on s'est installé. D'accord, ça marche. Bon, laisse-moi monter de niveau et on y va. Hein. Ça marche, Michel. Bon, il est où, Boone? Hé, hey, Boone, qu'est-ce que tu fous, bordel? Désolé, il y a ma gueule. Oh, il est con, ce mec. Hé, hey, Boone. Boone. Psst. Boone, par là. Putain, c'est... Toi qui es censé me guider ici, c'est toi qui es censé connaître le truc, et toi t'es... Yeah, bah yeah, y'a le rookie. Il était pas là la dernière fois. Il est complètement débile, Boone. Le Canyon 37. C'est comme ça que la RNC appelle cette passe. D'accord. C'était la seule issue pour les Cannes. Alors on s'est installé pour garder l'endroit pendant que le gros des forces attaquait par l'avant. Les ordres étaient de tirer à vue. Vos histoires ne m'intéressent pas, dégage. Le détachement principal s'est fait repérer trop tôt. On a entendu des tirs. Ensuite, des groupes de Khan se sont approchés du Canyon 37. Mais ce n'étaient pas les bons. Des femmes, des enfants, des vieillards. Et les blessés ensuite. On a demandé confirmation par radio. Mais le commandement ne savait pas ce qu'on voyait. On nous a dit de tirer jusqu'à épuisement des munitions. Est-ce que je... Peut-être pas. À une époque, je ne l'aurais peut-être pas fait. Mais c'est pour ça qu'ils vous forment. Pour que ça devienne automatique. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce qu'on fait ici. Je me suis dit que ça m'éclaircirait peut-être les idées. J'aimerais rester ici pour la nuit. Pour réfléchir. Ah non, Pili. Non. D'accord. On ne restera pas longtemps. Enfin, la nuit, quand même, c'est un petit temps. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me gratouilles la cheville, toi, là, le chien? Qu'est-ce qui se passe, Boone? Il y a le chien qui me dit que t'as un problème. Quelque chose ne va pas. Un groupe approche. On dirait un raid de la Légion. Une grosse unité. Mais j'ai plus de tempac! Même pour nous. Si vous voulez partir, je ne vous le reprocherai pas. Mais moi, je reste. Je vais voir si je peux les repousser. Pourquoi... Il y a noté. C'est une cible facile pour se procurer des esclaves. Il y a pas mal de réfugiés et à peine une poignée de soldats pour les protéger. Ça m'étonnerait qu'ils soient là pour nous. Dommage, ça m'aurait plu. Mais ça nous évitera d'aller les chercher. Si seulement c'était toujours aussi facile. Ça n'a pas l'air de s'apprendre. Non, je me suis toujours dit que ça finirait comme ça. Je ne savais pas quand, c'est tout. Le jour de votre arrivée à Novak, j'ai senti que je devais venir avec vous. Il était temps d'en finir avec tout ça. Et maintenant, je le sais. Qu'est-ce qu'on attend? À vrai dire, je crois que c'est exactement ce que j'attendais. On va aller défoncer la Légion! Hé, hey, PD, revenez! Hé, hey, bande de cons! Non, j'ai des quêtes à faire, vous avez pas intérêt à buter des gens importants ici. De toute façon, j'ai mon chien, j'hésiterai pas, mon seul. Alors, normalement, c'est des recrues, ça devrait bien se passer. Même si... C'est vrai, j'ai putain de plus de soins. J'aurais peut-être dû aller en chercher d'abord. Ouais. Maxi Moulin, toujours aussi con. Comme il dit ça, c'est de simples légionnaires. Et moi, j'ai leur propre arme, donc on va se marrer. Il y en a d'autres qui arrivent. Oh putain, il a une mitrailleuse, lui. Allez, Boone, occupe-toi-en. Eh, le con. Eh, petit con. Il y a mon chien. Eh, mon chien. Eh, putain de connard. Eh, hey, c'est Vexillarius. Je sais pas qui c'est, mais on a tué Vexillarius de la Légion. Ouh, mais il avait pas mal de trucs. Il avait un simple fusil, ce con. Est-ce qu'on peut prendre... Ouais, j'ai envie de prendre son fusil sur le coup.
Non, pas de parler, le chien. Je suis pas encore con non plus. Putain, elle me fait à peine 10 de protection, l'autre truc. Bon. J'ai pas de grenade. J'ai un fusil de chasse. On va abandonner celui-là. Est-ce qu'on... On va essayer de tenter au fusil de chasse. Waouh, c'est ça, merde. Putain, des molosses. Ouais, vas-y. Bute-les tous. Je vous fais confiance, bande de cons. Y'a des momolosses. Allez, on y va. Vas-y. Allez, vas-y, défonce-les, les chiens. Ouais, il est bon, le Toto. Hein, il est meilleur que les... Eh, on est bon, quand même. Hein. Eh. Oh, putain, y en a qui viennent par le flanc droite. Flantier, il y en a qui viennent par le putain de flanc droite. On va pas les laisser venir. Hein. Ils viennent ou ils y sont des... Attends, qu'est-ce que c'est ? Oh putain ! Ils vont contourner ces cons ! Putain de merde ! Putain, ils nous ont niqué ! Putain ! Bande d'enculés ! On va pas se passer comme ça ! Putain de merde. Ah, crever. Ah, putain. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Je bouffe plein de trucs. Je mange. J'en ai rien à foutre. J'ai encore des trousses de médecin. Ouais. Ouais. Vas-y, un Stealth Boy aussi. Vas-y. J'ai pas intérêt à tuer les gens importants. De toute façon, je verrai. En général, ils marquent 4 foutus. Dans ce genre de cas. Oh putain, j'ai la tête qui s'y flotte là, ça veut dire qu'il y a de l'eau un peu dedans. Non, ça veut pas dire ça. Ah, vous êtes madame. Putain, madame, je vous protège. C'est bien. Et on dit pas merci. On a réussi à s'en sortir. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Je n'allais pas vous laisser mourir. Ce n'était pas du manque de respect. C'est quelque chose d'avoir quelqu'un d'aussi capable que vous pour s'occuper de moi. Mais je crois qu'il y a des choses que personne ne peut arrêter. Et j'ai bien cru que c'était ce qui allait nous arriver aujourd'hui. Ça aurait été logique que ça se termine ici. Mais non. J'attends toujours. Ne vous juge ni vous condamne. Je préfère celle-là. Si c'est comme ça, le savoir n'a rien de réconfortant. Je ne sais pas ce que je suis censé faire. Oubliez ça, c'est égal. Mais vos remords peuvent vous guider. Alors, j'en meurs. Je crois que ce sont eux qui nous ont amenés ici. Ça fait un groupe de légionnaires de moi. Ce n'est jamais une mauvaise chose, croyez-moi. J'ai toujours l'impression d'être en sursis. Mais je ne vois aucune raison de ne pas emmener un tas de ces fils de pute avec moi. C'est pas faux. Je peux encore faire pas mal de choses avant que tout soit fini. Dispose désormais d'un amour de survie de premier recueil. Alors, ok. Ça marche. Ouais. Oh, oui, il est d'armure, c'est sympa tout ça, hein. Dites, je voulais vous remercier de m'avoir amené à Bitter Springs. Les choses me paraissent plus claires maintenant. C'est parce que t'as pris un miroir. Et hop, il m'adresse plus jamais la parole. Il est temps qu'on se sépare. Ouais, bon, en tout cas, on a fini la quête de Boone, c'est cool. Ouais. Ah, regardez, il est pas mimi. On pouvait, suivant ce qu'on aurait choisi à la fin, si on avait choisi la dernière en mode assoiffé de sang, ça lui aurait débloqué une armure d'assaut et tout, mais bon, il y a déjà section d'assaut, donc c'est bon. Hein. Bah, et maintenant je vais aller refaire les quêtes et tout, hein. Ouais, regardez, je suis un sombre héros. Les gens continuent à penser que vous êtes une sorte de héros, mais pas sans reproche. Oui, parce que là, j'ai fait Boulter City, on va dire, en négociant pour que les Grands Khan puissent partir après avoir relâché les otages de la RNC. Donc la RNC est content, les Grands Khan aussi. D'ailleurs, les Grands Khan, ils m'adorent. Hein. Là, ils m'apprécient, ils vont peut-être m'aduler aussi.
Moi, j'ai fait des quêtes pour eux, voilà, pour leur chef et tout, pour le Papa Khan. D'ailleurs, le mec, il s'appelle Papa Khan aussi dans la version originale. Ah, voilà, regardez, appréciation Grand Khan. Tu sais, c'est pas beau. Spectacle de Boulder City. Je suis trop bon. Bon, maintenant, on va les tuer, Benny. Ton chien a un problème, la vieille. Hein? Cette chienne a un problème, elle lévite. Ça, c'est pire que Gérard Majax. Bon, moi, les chiens avec des super pouvoirs, c'est utile pour te protéger, hein, on va dire. N'est-ce pas, Rex? Toi, t'aurais envie, hein. Bon, comment tu fais pour te coucher? Hé, hey, là-bas, j'ai un message pour vous. Eh ben... C'est de la part de l'ambassadeur Crocker. C'est très important, tenez. J'en ai rien à foutre de l'ambassadeur machin. Alors bonjour tout le monde, ça va? Une bonne réputation améliorée, moi si tu veux, alors c'est quoi le message? Non, c'est pas top, hein. Il faut que je vous parle d'un sujet de renvenement tout le monde, nous puissions discuter dans le monde de la zone. On va aller le voir plus tard. Je ne sais pas qui est votre pote, est-ce qu'il règne sur Vegas? Ça ne peut être que Dieu ou la lune. Ouais, on va pouvoir peut-être le buter. Ça marche. Bon, en attendant... Ah oui, je voulais te parler. Alors, vous avez parlé à un écran de cinéma. J'ai l'impression de suivre une route de briques jaunes sans mauvaise nouvelle au bout. Eh bien, en attendant, il m'a donné une suite. Avec un griffe mort de garde? Croyez-moi, ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas vu qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Le Luc est 38. Pourquoi faire un casino si c'est pour ne laisser personne y entrer? Ça me rappelle d'autres endroits où je suis allée. Quelque chose d'aussi isolé des gens ordinaires finit par attraper une sale réputation. Ok, si tu veux. Vous savez quelque chose sur le chat? Pas grand-chose. Et je n'ai pas eu l'occasion de chercher à en savoir plus. Je sais ce que racontent la plupart des gens. Ils dirigent New Vegas. Ils dirigent les robots, mais personne ne l'a jamais vu. Enfin, à part vous. Ouais, par moi je suis trop bon. Alors si vous le pensez vraiment, tant pis pour vous. Pour retourner au Lucky 38. Très bien, ne traînez pas. Ces robots me font flipper. Oh, elle est partie à contre-cœur. Oh. Hey Boone, je vais dans ta chambre. Ça me dérange pas, mes Boone. Hey, ma Boone, ma Burne, ma Boone, Boone, Ben. Hey Bernard. Allez, c'est l'heure. Allez, vous... D'où? Quand vous voulez. Ouais, observateur. Hey, Boone. Ça te dit? Quoi? Ça te dit, on doit se séparer. Si c'est ce que vous pensez. On se retrouve en 38. Je vais aller là-bas. Bah, ça marche. Bah, c'est sympa, leur sorte de téléportation, c'est encore mieux que Mimimati. Hey. Ouais, non, on s'en fout. Salut mec, que pensez-vous de nous dire? Ça va s'arranger. Et moi, nous. Autre chose. Au revoir. Mais attends, il peut pas venir avec moi? Eh Bernard? Ça va? Mais... Attends, mais je veux que tu viennes avec moi. Non? Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi on peut pas lui demander de m'accompagner? Ouais, ça, je m'en bats les couilles. Hey, mais regardez qui voilà. Alors, marre de la solitude? Ouais, enfin, c'est surtout que Ganon, il bug, mais... Ça ne peut pas être pire qu'ici. Ouais, on faudra retourner le voir. J'espère qu'il arrêtera de bugger, parce que je veux faire sa quête, merde. Attends, dans terre. Dans ton cul. D'abord Vegas, ensuite la RMC et la Légion. Vous avez plus de prétendants qu'une veuve de Rallyme. J'espère que vous savez répondre poliment. Sinon, le climat du moral va vite vous paraître malsain. Bah, j'espère aussi, hein. Très bien. Vous cherchez toujours un endroit pour planter votre tente. La RNC, la Légion et Vegas ressemblent tous à un piège à ours. Au Lucky 38, je ne sais pas s'il faut prendre ça comme une bénédiction ou une malédiction. Une béné-malédiction. Je parie que ça doit être agréable de se balader avec toutes ces armes sur le strip. Ce fumier de Monsieur House a interdit au personnel militaire de la RNC d'avoir des armes à feu sur le strip. Enfin, en dehors du capitaine Papas.
Hey, papas. Strauss ne fait toujours pas confiance à la RNC. Un conseil, les Securitron n'aiment pas les fauteurs de troubles, alors ne faites pas de bêtises. C'est la première fois que vous venez sur le strip? Oui. Oui. Eh ben, c'est le moment de perdre votre puce là. Ok. Je suis sûr que on fait ça où? Vous éclater et finir ivre et sans une capsule en poche. Je peux vous donner des informations sur les casinos si vous ne savez pas par où commencer. Ouais, parlez-moi des casinos. Bien, il y a le Lucky 38, l'Ultralux, le Gomorra et le Tops. Vous voulez des infos sur lequel? Tous! L'Ultralux est le plus beau casino du strip. Très classe, extravagant et cher. Mieux vaut avoir les poches pleines pour aller là-bas. Ouais, et le Gomorra? Le Gomorra est le lieu préféré des soldats de la RNC. Vous aimez les filles, l'alcool, le jeu et la drogue. C'est vraiment idéal. Ok, et le Tops? Le c'est Tops top est le plus cool. Il y a pas mal de divertissements et de spectacles en plus du jeu. Si vous voulez voir un spectacle en buvant quelques verres, allez à l'Aces Theatre, au Tops. D'accord, et puis ensuite, Jésus? À vrai dire, je ne sais pas grand-chose sur celui-là. C'est là que sont installés Monsieur House et ses Securitron. On n'a jamais vu personne y mettre les pieds. Il vaut probablement mieux faire une croix dessus. Ok, sinon t'as des choses intéressantes à dire? J'écoute. Il y a à faire là? Il y a l'abri 21 et l'ambassade de la RNC. Elle est où l'ambassade? Les deux sont dans la je dois y aller. Du strip. L'abri 21 est un petit hôtel avec une boutique. C'est moins confortable que dans les casinos, mais c'est aussi nettement moins cher. L'ambassade est le QG de la RNC sur le strip. On y trouve l'ambassadeur et le PC de la police militaire. D'accord, merci Michel. Monsieur? Non, madame.